Aujourd'hui, on est rassemblés ici donc à Avignon pour défendre nos retraites et pour défendre nos professions aussi. Et pour qu'on sache que ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est pas trop normal. Donc on se rassemble, convergence entre les syndicats, les syndicats, les CGT, plus certains gilets jaunes et puis tous les personnes citoyens comme moi qui manifestent pour, toutes ces réformes des retraites. Tout ce qui se passe en France aujourd'hui qui est inacceptable. On voit que depuis des années, ça ne bouge pas, que le gouvernement ne veut rien entendre. Donc aujourd'hui, on est tous à la rue pour se faire entendre. Cette profession est présente. Qu'on soit avocat, qu'on soit pas avocat, qu'on soit public, on est tous citoyens, on se bat tous même. Combat, et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants surtout. Voilà. Donc aujourd'hui on ne lâchera rien, on ira jusqu'au retrait, notre retraite. Et voilà. Donc, merci. Elle a dit qu'elle y serait. Elle voit rien. Elle voit rien. Elle voit rien. Pourquoi je suis ici, et on est tous ici pour défendre le projet de réforme contre les, pour les retraites. Mais ce mauvais projet, qui est nocif. On a des anciens qui se sont battus, conservons nos avantages. On est en train de tout supprimer, petit à petit. C'est inadmissible. Et je suis hyper en colère. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Gras. Merci. On a parlé que de la cachette de société privée ou professionnelle. Jamais personne a dit ce qu'il y avait dedans. C'est scandaleux. C'est pas la question. Et voilà. La présidente, moi ils m'ont fait gagner. Vous voyez bien que le magistrat, il n'a pas de leur part. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que le droit était pour moi. Mais et après, c'est pour ça que les gens qui m'attaquent, ça a été pour demander de la cachette. J'ai fait appel au TAS il y a 4 ans, pour ceux qui ne m'ont pas mis en maladie professionnelle. Alors que là, je n'ai pas dit qu'il y a des vidéos, je suis vraiment... Mais pourquoi j'ai pu venir ?